s'est levé. Mais ce matin n'est pas comme les autres. Il va donner sa couleur d'espérance à tous les autres matins. L'inconcevable a eu lieu. La pierre n'a pas rempli son office et n'a pas retenu la mort. Elle est définitivement brûlée par la résurrection de Christ. Pour nous, cette pierre brûlée témoigne que l'impossible n'existe pas. Par elle, il nous est donné de croire que nos existences, quelles qu'elles soient, peuvent se remettre de Dieu. Nous pouvons nous risquer à devenir ce que nous sommes, des marcheurs, des aventuriers qui s'élancent dans la vie, les yeux rivés sur la terre promise de notre propre résurrection. Christ est ressuscité. Pâques, c'est un jour de lumière, c'est un jour de passage. Dieu passe parmi nous pour nous dire que désormais la vie est pour nous. Alors, je vous souhaite une joyeuse Pâque. Ce matin, Seigneur, nous prenons auprès de toi l'espérance pour trouver la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes, des peurs, pour recevoir de toi la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici ce matin dans le Seigneur pour te regarder à l'œuvre. Toi, notre Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement consiste à relever la vie pour l'éternité. Alors merci Seigneur pour la joie de Pâques que tu as plantée dans la terre de notre foi, que ta parole révèle en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Joyeuse Pâques. Joyeuse Amen. Et je vous invite à chanter cette bonne nouvelle au cantique numéro 313 et nous chanterons des strophes 1 à 4. 313. Et chanter avec joie et force. Thank you.
Christ est venu pour être le pain de vie. Et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière. Et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin. Et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie. Seigneur, aujourd'hui, ton pardon nous arrache à la mort et nous donne la vie éternelle. Thank you.
vous invite à vivre de confiance et avec humilité. En matin de Pâques, Jésus est établi pour toujours dans sa fonction de médiateur. Par son évangile, il arrache la vie des hommes à la médiocrité et l'élargit aux dimensions imaginables. Par son corps et son sang donné, il révèle que la vie n'a de sens qu'en dans le dépassement extrême de la vie. Par sa croix dressée, il maintient debout la vie de ceux qui sont crucifiés par le malheur ou le désespoir. Par sa résurrection, c'est l'humanité de tous les temps qui est conduite dans la vie. Par sa résurrection, Jésus dégage un passage pour nous. Désormais, notre vie, notre amour, nos tâtonnements, nos recherches, nos rêves sont le trésor que chacun de nous emportera au-delà de tous les murs. Le trésor dans chacun de nous verra l'épanouissement dans la vie préparée par le Père de Jésus-Christ. Nous l'affirmons, nous le croyons, dès lors, nous prenons sa suite et nous devenons à notre tour sur ses traces les veilleurs de la vie. Et nous revenons par l'obligation de foi de veiller de toutes les manières à la vie de ceux qui attendent une parole de vie, de ceux qui attendent du pain pour vivre, de ceux qui attendent de l'espérance pour vivre. Nous le croyons, c'est notre foi et c'est aussi notre engagement. Mais notre disciple courut plus vite que Pierre
posé à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait couvert la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais pris à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Je ne sais pas si à la lecture vous avez retenu un verbe qui revient plusieurs fois. Courir, courir. Qu'est-ce qui nous fait courir, nous, ce matin? Quiconque a déjà voyagé dans un des pays chauds devine le caractère incongru de cette scène. Des hommes et des femmes courant sur une piste poussiéreuse sous le soleil d'Afrique ou du Palestine. C'est hautement improbable. D'abord parce que la notion de temps dans ces cultures traditionnelles fait peu de place à l'urgence. Il est rare et même indécent de courir pour faire quelque chose. Et ensuite, parce que le climat dissuade très vite de se livrer à ce genre d'exercice. Hormis les clients sur les hauts plateaux, courir sur les routes de Jérusalem, d'Abidjan, même en Angola, relève mieux d'un manque de savoir-vivre, au pire d'un état de dérèglement avancé. Dans cet évangile de Pâques, on court pourtant beaucoup. Marie-Madeleine, dans le sens tombeau vers les apôtres, pour les prévenir et leur demander de venir vérifier ce qu'elle dit. Puis Pierre et Jean, dans le sens église, tombeau vide, pour voir si elle est ouverte. En plus, ça c'est étonnant, je vous dis, il y en a un qui court plus vite que l'autre, c'est une course. L'église de Pâques naît donc dans la course inhabituelle, inconvenante, inquiète. Courir vers l'église pour lui donner et lui signaler l'absence du corps du Christ, c'est la mission symbolique au plus haut point de Marie-Madeleine. Cette course est encore la nôtre lorsque nous devons alerter en urgence l'église des endroits, de nos vies, de notre culture, de la communauté où il n'y a plus de corps du Christ. Quels sont les lieux à Saint-Gall où il n'y a plus rien? C'est-à-dire plus de présence, de témoignage. Courir de l'église vers le tombeau vide, c'est le, comme on dit dans certains films, le beau face de Pierre et Jean qui préfigure notre propre course pour chercher, découvrir les lieux où la mort n'a pas eu le dernier. Et ces deux courses se répondent, s'appellent sans cesse l'une l'autre au monde. Devenir chrétien au petit matin de Pâques, c'est s'entraîner à courir de ces deux quêtes à venir inachevées. Prévenir l'église qui doit sortir d'elle-même pour aller voir. Courir soi-même pour visiter les lieux où la victoire sur le mal et la mort s'inscrivent en creux à la manière du tombeau. Courir pour être chrétien, je disais dans cette première partie. Et puis je dis quand même, je ne vais pas dire à des personnes qui ont dépassé les 60 ans, 70 ans de se mettre à courir à travers Saint-Gall. Alors, on va se tourner vers ceux qui marchent au même rythme que nous et qui se posent les mêmes questions que nous. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35.
Le même jour, deux disciples faisaient rentrer en village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Après dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès lors, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, partout de Moïse et de tous les prophètes, il en interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Amen. Voyez, dimanche de Pâques, tout le monde court. Et puis, là, nous sommes en présence de ces deux hommes, de ces deux disciples. Pour faire cela, vous devez... Tiens-moi, le tremble. Pour faire cela, vous... Pardon.
d'un point à l'autre, et puis ces deux disciples-là qui nous invitent, et j'aime bien, pour ma part, j'aime bien ces deux disciples qui marchent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que leur marche, c'est comme s'ils portaient un poids. Le poids de la désillusion. Cléopâtre et son copain, je me sens assez proche d'eux. Aucun des deux, Cléopâtre, sauf on ne sait pas comment il s'appelle. Ce sont des disciples de Jésus, ils l'ont probablement accompagné, suivi pendant quelques temps, et malgré tout, on ne peut guère les considérer comme des fulgurants témoins de l'Évangile. Beaucoup d'entre nous s'y retrouvent sans doute. Oui, on est pour Jésus, on est disciples d'abord, mais pour ceux qui aient du témoignage, c'est généralement plutôt faible, un peu hésitant. Dans le récit de l'Évangile de Luc, ce sont des disciples au passé. Relisez-le, ce texte, quand vous rentrerez à la maison. Tout est soigneusement écrit au passé. Ils avaient espéré que Jésus allait venir libérer Israël. Et puis, rien. Ou plutôt, au contraire, une trahison, un reniement, des mensonges, une condamnation et une exécution. Un prophète vaincu, un mort humilié et puni par des souvenirs, des regrets. Tout indique que Cléopas et son ami sont en train d'abandonner la partie. Ils ne resteront même pas Jérusalem avec les autres. Ils ont sans doute décidé de rentrer chez eux et de mettre fin à la vache. Et comme on dit, ils ont baissé les bras. Est-ce qu'ils ont perdu la foi? Probablement pas. Ils continuent d'avoir la religion, comme on dit. Mais cette religion ne leur sert pas à grand-chose, car elle concernait un Dieu qui n'est pas celui que Jésus est venu nous faire connaître. Il s'agissait d'un Dieu normal, puissant, efficace, qui donne de la force, écrase les ennemis. Celui qu'on attend, celui qu'on espère, toujours, surtout quand ça va mal, en période de crise, comme ce que nous connaissons actuellement, ce genre de Dieu devait répondre en sang. Mais bon, on est les autres qui sont les autres. Alors, imaginez, après la croix, la mise au tombeau, cette histoire a plutôt tendance à se développer pour ces deux hommes, pour un certain homme et une femme. Ce sont maintenant deux hommes désemparés qui ont choisi de rentrer chez eux et d'oublier tout ça, ou du moins prendre le temps de faire le point. Les voici sur le chemin des Maïs. Alors il n'y a pas de règle absolue, il est vrai que l'on peut rencontrer Jésus de bien des manières. Il n'en reste pas moins vrai que c'est souvent sur le chemin de nos défaites, de nos désillusions, qu'il lui arrive de se faire connaître. Ici, cet étranger inconnu ne cherche pas à impressionner les deux hommes en se manifestant de façon spectaculaire comme on le voit dans beaucoup de récits religieux ou dans les films hollywoodiens, avec une apparition miraculeuse, par exemple. Il se trouve simplement là, sur le même chemin que c'est un voyageur comme eux qui va d'abord chercher à comprendre ce qui les préoccupe, leur poser des questions. Il les amène à dire leur inquiétude, leur désespoir, leur peine d'avoir perdu un ami et un maître. Et ils disent aussi leur doute, leur crainte de s'être égaré dans une fausse direction. Ces deux hommes parlent. De quoi parliez-vous en marchant? Pose la question de Jésus. Et Jésus incognito nous
tous à dire ce que nous avons dans le cœur, même s'il s'agit de doutes, d'inquiétudes, d'insatisfactions. Il faut que ça sorte. Et c'est bien sûr à renoncer à vie pour restituer la grande scène spectaculaire de la reconnaissance surprise. Vous savez, comme dans certaines vidéos que l'on voit sur YouTube, tout d'un coup, la personne qui est disparue depuis un certain temps, elle apparaît et c'est une fête joyeuse pour tout le monde. On fait semblant et tout le monde éclate de joie, ma foi, fête est à l'auberge un peu plus loin. Hein. Mais là, dans ce cas-là, c'est qu'on n'aurait pas compris ce qui fait le cœur de l'évangile. Ça voudrait dire qu'on n'a rien compris à Noël, à l'État, au serment sur la montagne. On n'aurait rien compris à toute la vie de Jésus. On n'aurait rien compris à la croix du vendredi. On serait resté dans le même système des religions classiques, en passant à côté du mystère qui vient précisément révéler Jésus. Il faut prendre le temps d'expliquer. C'est ce que fait ici le Jésus incognito. Il fait une étude biblique. Là, sur le chemin d'Emmaüs, il faut que Cléopas et son copain, et nous aussi, nous comprenions que la Bible, Moïse, Abraham, David, les prophètes, pour un pensant que ce soit, ce ne sera jamais qu'une collection de vieux livres religieux, comme il en existe partout depuis l'aube de l'humanité. Tant qu'on ne découvre pas, en fait, l'objectif de nous faire comprendre la participation sans réserve de Dieu à notre existence humaine. Ce n'est pas les dieux de l'Olympe qui sont loin, c'est un Dieu avec nous, Emmanuel, si nous sommes Emmanuel, Dieu avec nous. Avec l'appel Jésus, Dieu met en œuvre un changement radical. Sans aller avec son sentiment religieux naturel, l'être humain cherche à atteindre Dieu, à se le rendre favorable par des rites, des prières, des sacrifices, à monter vers le ciel, une suite intelligente, par toutes sortes d'exercices de piété, de méditation, de macération. Et en échange, le Dieu concerné accordera peut-être sa protection, son pardon, une guérison, de bonnes récoltes ou la victoire en temps de guerre. Je ne sais pas si ça marche, mais ça semble avoir convenu pendant longtemps et aujourd'hui encore. À une partie de l'humanité, une relation basée sur l'échange. Comme le disait une femme politique française, c'est du donnant-donnant. Et pourtant le monde ne va toujours pas si bien que ça, devant ces dieux-là. Le Dieu de Jésus voulait prendre l'affaire par le couteau. Il faut attaquer le mal à la racine, engager le combat sur le terrain au niveau de l'humanité, en y faisant germer les graines de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur est mis à croire ce qu'ont dit les prophètes. Jésus est mort, c'est vrai. Et c'est ce que Cléopas et tant d'autres ont du mal à admettre. Mais le secret de Dieu, c'est que c'était le moyen de nous faire comprendre sa totale solidarité, au-delà même de la limite que généralement les dieux de l'Olympe ne franchissent pas. Lui, il entre dans l'humanité. Il se rend proche de nous. Et ensuite, il nous a enrôlés à ses côtés dans le combat pour le règne de Dieu aussi. Le Dieu de Jésus se distingue de tous les autres dieux. Les dieux magiques, spectaculaires, les dieux rambos, vous savez, ces hommes forts que rien n'atteint. Ces dieux de l'Olympe inaccessibles, leur sanctuaire est protégé. Le Dieu de Jésus cherche à nous dire que lui est un Dieu proche, amical, solidaire,
parfois vaincu, à un dieu humain. Ça change de perspective. Et Jésus sait de quoi il parle, c'est lui qui vient de vivre toute cette vie d'homme et de connaître ce Christ, afin que Cléopâtre et son copain et nous sachions bien qu'il n'est plus nécessaire de partir à sa recherche dans quelque univers céleste, lointain. Et nous devrions devenir surtout d'opérations rituelles, compliquées, connues de certains spécialistes qui sont affiliés ici à notre côté sur la route de Maïs, sur notre route à chacun, sur toutes les routes de nos regrets, de nos doutes, de nos fuites. Alors, les deux ex-disciples ne sont probablement pas encore très convaincus. Mais ils commencent à être troublés par ce voyageur inconnu. En tout cas, il ne faut pas que cet étranger s'en aille tout de suite. Il a encore quelque chose à dire. Ils ne vont pas nous laisser seuls avec nos problèmes, nos questions, nos doutes. Sa présence, quel qu'il soit, a quelque chose de rassurant. Reste avec nous, dit ces deux hommes. C'est la même question qui pourrait se poser à nous. Nous est-il arrivé de croiser le chemin d'un étranger qui a quelque chose à nous dire et que nous voulons retenir, lui dire, reste avec nous. J'ai l'impression que nous trouvons ici l'un des passages du Nouveau Testament en assiste vraiment à la naissance de l'Église. Je ne suis pas persuadé, d'après ce que nous en disent les évangiles, que Jésus ait attaché autant d'importance à la notion d'Église. Mais à coup sûr, il y a Église, elle est là, à la porte de cette auberge, même à eu ce soir du dimanche de Pâques. Elle se constitue à au moins autant que lors de la Pentecôte. Il nous arrive dans notre petite église française de dire nous ne sommes pas nombreux. La première église à Emmaüs, il n'était que deux. Donc on a multiplié par 10 aujourd'hui Emmaüs, les témoins d'Emmaüs. L'Église, c'est là où s'exprime avec intensité un besoin de communion, de communauté, de partage, d'échange en dépit de toutes les barrières, de tous les confinements imposés par la société humaine. Là où on souhaite plus que tout la présence de Jésus, sans forcément pouvoir définir avec précision qui il est, comme ces deux hommes ne veulent pas rester seuls, qui viennent juste de commencer à soupçonner un secret, et d'un coup découvre le mystère du règne de Dieu en accueillant un inconnu. Et cet étrange inconnu, ils le savent, va être la fin de leur solitude, de leur isolement. En ce dimanche de Pâques, si vous êtes comme les marcheurs d'Emmaüs, sachez que Jésus est notre compagnon de route. C'est un inconnu souvent qu'on ne reconnaît pas, mais qui est présent chaque fois que nous nous faisons mutuellement accueil. Chaque fois que nous restons ensemble, en dépit de ce qui pourrait nous séparer. En dépit de nos désillusions, après les espérances sombres, malgré les obstacles qui se glissent sur la route. Au bout de laquelle nous devons bâtir ensemble un avenir différent. De temps en temps, il est bon, vous savez, on rembobine l'histoire de sa vie. Et
l'instant d'une histoire humaine, orienté dans le sens du réel. L'affirmation de soi, l'exclusion de l'autre. Alors désormais, peu importe qu'il disparaisse, Jésus, à leurs yeux, cette absence n'est plus une absence. Ce sera un autre mode de présence. Dans votre vie, n'avez-vous pas ressenti cette présence? Ce que vos yeux ne voient pas, votre sens, votre cœur, votre esprit, le sens qu'il est présent. Il ne s'agit pas d'un nouveau rituel pour être sauvé, qu'on appelle la Sainte Cène de l'Eucharistie. C'est le partage du pain, du vin, la mise en commun des ressources et de la joie. Un signe de vie nouveau pour participer à la décoration d'un nouveau monde. En Côte d'Ivoire, quand un étranger arrive, on s'assoit, on lui offre quelque chose à boire. D'abord, on partage le peu de ressources que l'on a. Il en est de même dans les évangiles. Et l'évangile appelle ça le règne de Dieu. C'est là que se trouve le secret de la guérison du monde, dans le partage. Ce soir-là, Cléophas et son copain sont eux aussi ressuscités, suscités à nouveau, révélés, remis de Dieu, remis en route. Ils ont été convertis au sens littéral puisqu'ils reprennent le chemin dans le sens inverse. Ils ne fuient plus, ils retournent en bas. C'était pas comme chaque fois que nous rejetons le désespoir. C'est ce qui nous frappe aujourd'hui, dans l'actualité de cet évangile, dans ce dimanche de Pâques, d'entendre qu'il y a tellement de millions d'Ukrainiens qui sont partis de chez eux, et puis aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui reviennent, parce qu'ils ne veulent pas laisser le désespoir les envahir. Ils ne veulent pas que l'ombre de la mort ait le dernier mot. Ils veulent que la résurrection soit là